RTL Matin. 6 minutes pour trancher. Bonjour Jean-Jacques Hublin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes paléo-anthropologue, directeur du département d'évolution humaine à l'Institut Max Planck de Leipzig. Nous avons pris un sacré coup de vieux depuis hier puisque la découverte de restes d'Homo sapiens au Maroc bouleverse les connaissances sur notre espèce. Avec votre découverte, vient-on de prendre tout simplement un coup de vieux de 100 000 ans ? Oui, c'est ça. Jusqu'à aujourd'hui, on croyait que l'origine de notre espèce, Homo sapiens, remontait à peu près 200 000 ans et qu'elle se situait en Afrique subsaharienne. Avec cette découverte, eh bien, voilà, on se déplace au Maghreb et on prend 100 000 ans de plus. Alors, je rappelle que c'est donc bien à vous qu'on doit cette découverte, des fossiles humains trouvés au Maroc, vous venez de nous le dire, et qui n'auraient pas moins de 300 000 ans. 5 individus, c'est bien cela ? Oui, 3 adultes, un enfant, un adolescent. Est-ce que ça veut dire qu'on vient de découvrir un nouveau berceau de l'humanité, Jean-Jacques Hublin ? Alors, en fait, plutôt qu'un jardin d'Éden d'une taille réduite en Afrique subsaharienne, ce que cette découverte suggère, c'est plutôt que c'est l'ensemble du continent africain qui a joué un rôle dans l'émergence de notre espèce. Jusqu'ici, l'homme moderne était supposé avoir 200 000 ans, vous venez de nous le rappeler, et on localisait nos origines en Afrique de l'Est, en Éthiopie par exemple. On est donc en train d'évoluer à la fois sur le plan historique et sur le plan géographique sur les origines de l'homme. Oui, c'est un changement de calendrier, c'est un changement géographique. C'est aussi un changement dans la façon dont on voit l'émergence de notre espèce, hein. Au lieu d'une émergence rapide, eh bien, c'est quelque chose de beaucoup plus progressif, avec certains aspects de notre anatomie, comme la face, le visage, qui se mettent en place très tôt. Oui. Et puis d'autres, notamment le cerveau, qui vont connaître une évolution prolongée. Je vais y venir dans un instant, mais comment sait-on que ces ossements ont 300 000 ans ? Qu'est-ce qui nous permet de le dire et en quelque sorte de le prouver ? Je m'adresse à un grand scientifique, donc on est curieux aussi de la façon dont on authentifie l'ancienneté de ces ossements. Alors, lorsque nous avons fouillé ce gisement du Djebel Iroud au Maroc, nous avons eu beaucoup de chance parce que ces hommes du Djebel Iroud ont utilisé le feu énormément dans ce site. Et en utilisant le feu, eh bien, ils ont brûlé des éclats de silex qui se trouvaient dans le sol. Certaines roches, comme le silex, quand elles sont enfouies, accumulent de l'énergie en raison de la radioactivité ambiante des sédiments. Et cette énergie, elle est libérée au moment où on chauffe ce silex. Oui. En émettant une petite lumière. Et donc, on peut, en chauffant à nouveau ce silex, et en mesurant la quantité de lumière émise, eh bien, mesurer le temps qui s'est écoulé depuis la dernière fois que ces silex ont été chauffés, c'est ce qu'on appelle la thermoluminescence. Le visage de ces premiers Homo sapiens est-il celui que nous avons, nous, aujourd'hui ? Est-ce qu'il est possible, en quelque sorte, de le reconstituer à partir des ossements vieux de 300 000 ans que vous avez découverts ? Alors, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que justement, il y a 300 000 ans, ces hommes ont un visage qui est le visage de quelqu'un qu'on pourrait croiser dans la rue aujourd'hui à Paris. C'est une face d'homme moderne, courte, rétractée sous le cerveau, la face de Monsieur Tout-le-Monde. Le cerveau lui-même, on a une idée de sa contenance, si je puis dire, et donc de sa puissance, par définition. Alors, c'est un cerveau qui est de grande taille, qui a à peu près la taille d'un cerveau d'un homme actuel, mais qui n'a pas encore tout à fait la même structure. C'est un cerveau qui est plus allongé, qui a un cervelet qui est plus petit que l'autre. Le cervelet, c'est une partie du cerveau qui se trouve à l'arrière. On pense que ce cerveau avait encore à évoluer pas mal pour acquérir la connectivité d'un cerveau actuel. On sait qu'au cours des derniers 300 ou 400 000 ans, eh bien, un certain nombre de mutations se sont accumulées. Ça, c'est la génétique qui nous le dit. Oui. Et ces mutations, eh bien, elles ont modifié la connectivité du cerveau, son mode de développement, son mode de fonctionnement. Et donc, tout ça,
ce que cela nous dit, c'est que, en fait, la grande affaire de l'évolution de notre espèce, depuis ces hommes du Djebel Irhoud d'il y a 300 000 ans, c'est l'évolution de ce cerveau. Djebel Irhoud au Maroc, vous y travaillez depuis une quinzaine d'années, je crois. Est-ce que vous saviez ou est-ce que vous espériez trouver quelque chose d'aussi puissant et d'aussi important dans la quête de notre histoire ? Le site du Djebel Irhoud, en fait, est connu depuis assez longtemps. On y a découvert, un peu accidentellement, des restes humains dès le début des années 60. Ensuite, le site a été abandonné parce qu'il avait été en grande partie dévasté par l'exploitation d'une mine. Et donc, voilà, dans les années 2000, je voulais absolument reprendre l'étude de ce site parce que les quelques restes qui avaient déjà été trouvés étaient très, très, j'allais dire, intrigants et même mystérieux, si je peux dire. Surtout compte tenu du fait que leur âge était très, très sous-évalué à l'époque. Donc un des objectifs pour nous, c'était de redater le site. Évidemment, on avait l'espoir quand même de trouver quelques restes supplémentaires. Je dois dire que nos espoirs ont été comblés au-delà de toute espérance. Bravo et merci Jean-Jacques Hublin. Je rappelle que vous êtes paléoanthropologue, directeur du département d'évolution humaine à l'Institut de Max Planck à Leipzig et que vous venez de nous dire tout simplement que ces ossements que vous avez retrouvés traduisent un physique qui était finalement très très proche du nôtre aujourd'hui. Bonne journée et bon travail.